Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Up de personnages et du coup ça a porté sur Ultra Nirox cette fois-ci. Donc comme vous pouvez le voir, il me manque de catalyseur science. On va aller tout de suite ouvrir quelques cristaux de fragments, donc j'en ai beaucoup, hein. J'en ai je crois 300 à peu près. Du coup ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc dès qu'un science est fini, on arrête d'ouvrir. Et du coup, je vais le monter en R4. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a progrès science. Je me suis dit au début que j'allais attendre. Ils veulent pas du coup. Je m'étais dit au début que j'allais attendre. Comment ça s'appelle? J'allais attendre gain de niveau. Mais du coup, je vais pas attendre gain de niveau. Il y a un progrès science. De toute façon, gain de niveau, je l'aurai. Enfin, je l'aurai largement avec tout ce que j'ai à monter. J'aurai encore 10 catalyseurs alpha derrière. Parce que là, j'en ai 26 en ce moment. Et je crois qu'en plus on va en gagner grâce à combat d'arène. J'ai pas encore fait le mode maître à 100%. Enfin, j'ai pas fait un passage au mode maître. Plus le mode normal. Donc il m'en reste encore potentiellement 5 à prendre assez rapidement. Donc ça va le faire. Et du coup, on va le monter tout de suite. Voilà. Donc 5 étoiles R4, mon éveillé. Et bah, on verra si je l'éveille ou pas. Enfin, pour l'instant, non. On va voir si s'il mérite, mais pour l'instant c'est pas le programme pour l'instant. Mais on va au moins l'augmenter 5R4 parce que sa compétence de fais-moi face me fait vraiment envie. Du coup voilà, on va le monter tout de suite. Ah, génial. Non, par contre je vais prendre du science derrière. Alors j'essaye de pas trop taper fort parce que sinon ça va faire. Vous voyez que l'écran. Ouais, non, je vais faire comme ça plutôt. Ça sera mieux, ça bougera moins. Ça sera plus agréable pour vous. Donc là, on va prendre que du science max, hein, le meilleur science qu'on puisse. Alors par contre, je crois qu'il y a beaucoup d'ISO qui a périmé hier soir. Parce que du coup, hier, je les ai montés. Enfin, hier. Parce que je tourne cette vidéo en fait juste après. Enfin, un jour après. Un jour après le live où je l'ai obtenu, je crois qu'il y a beaucoup d'ISO qui a expiré. On va prendre ça d'abord. Ouais, voilà. On prend ça. De toute façon, je vais vendre un max d'ISO là, je pense. Je vais essayer d'en vendre un max parce que là, c'est vrai que j'ai perdu pas mal d'or, je pense, hier. Parce qu'il y a beaucoup d'ISO qui devait s'enlever et je crois pas que je l'ai enlevé, malheureusement. Ok, maintenant on va prendre que du science. Donc du gros science. À part s'il y a un peu de petit science qui va bientôt périmer, mais dans l'idée. Allez, on va faire un passage comme ça et après on prend que du gros. Si j'en ai, hein, bien sûr. Parce que c'est possible que j'en ai pas. Hein. Mais je crois qu'hier j'ai éveillé des sciences. Hein. Je crois que durant mon live, j'ai éveillé des sciences. Ok. Donc là, on va prendre du. On va prendre du gros. J'espère que j'en ai, hein. Ah! Eh ben non. Eh ben non, eh ben non. Ah, c'est pas cool. Ok, bon, on va prendre du T5 et pas du. Alors, tout, mis à part tech. Et cosmique parce que je vais en avoir besoin. Science, j'en aurais pas besoin. Et vous avez vu que dans un jour, il y en a qui expiraient. Donc, autant faire ça comme ça. C'est mieux. On va essayer d'économiser le plus d'or possible. Parce que là, je vais monter beaucoup de 5 étoiles. Je pense que je vais tomber en dessous de 10 millions d'or. Ok, on le monte 5R3. Ah merde, j'ai pas de catalyseur. Il va falloir aller ouvrir des cristaux de catalyseur. C'est pas bien. C'est pas bien ça. Merde, fallait que j'utilise les 6 autres. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas grave, je vais en ouvrir 10 au début et on verra. Donc, non, pas tech. Voilà.
Donc, ouais, il y a beaucoup de mutants, sachant que je vais pas m'en servir du mutant. Enfin, pas dans un premier temps. Comment gaspiller de l'or? Ne pas avoir la classe nécessaire en ISO. C'est vraiment le meilleur moyen pour gâcher de l'ISO, bêtement. Faut pas faire ce que je fais, hein. C'est pas bien. Moi, c'est que j'ai beaucoup d'or, mais faut pas faire ce que je fais. Vraiment pas. Pareil, on va reprendre ça. Tier 5. Il y en a beaucoup qui expiraient. Ah ouais, mais il n'y a qu'une place, donc de toute façon, ça va prendre trop de temps sinon. Donc 6000 déjà, il est 6000. Mais là, du coup, les catalyseurs alpha, c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais c'est les sciences. C'est relou. C'est relou. Surtout qu'il serait capable de ne pas m'en donner du tout. Attendez, alors. Ça, on va pas ouvrir. On va en ouvrir 10 déjà. Ok, j'ai eu deux sciences déjà. Et maintenant, on ouvre un par un pour avoir le science qui nous manque. Et c'est tout. Entre deux sciences, génial. Mon tech, c'est bien, parce que je vais en avoir besoin de beaucoup. Comme je vais monter Octopus et Roquette et Bouffon Vert. Donc je vais en avoir besoin de 9. Là, je vais vraiment en utiliser beaucoup des T4C. Hein. Pareil en cosmique, j'en vais avoir besoin. Bon, je prends tech, je prends carrément. C'est mystique. Mystique, ça me fait un peu chier parce que. Bon, de toute façon, moi, je les utiliserai. Hein. Je les laisserai pas périmer, vous inquiétez pas. Hein. Je les utiliserai sur des mystiques. Je montrerai par exemple. Comment il s'appelle? Cosmique, ouais, bien. Je montrerai Iron Fist. De toute façon, il faut que je les utilise, hein, ces cristaux de T4C. Hein, donc, écoutez. Bon, si je pouvais pas trop en ouvrir, ça peut être bien aussi. Enfin. Mystique. Ils vont pas me le donner, le dernier science. Hein. Ils vont pas me le donner. C'est sûr. C'est sûr. En tout cas, gros opening de cristaux T4C. Ah, oh, putain, merde. Mutant. Mutant, c'est peut-être le seul que je vois pas sur quoi utiliser en fait. En 5 étoiles, je parle. En 5 étoiles. Parce que j'ai pas vraiment de mutant à monter là. C'est sûr, ils vont pas me le donner. Bah, de toute façon, je vais pas en ouvrir par 10. Hein. Enfin, finalement, ça aurait presque donné la même. Hein. Décidément. Décidément, ils veulent pas me donner le sens. Ben c'est sûr, hein, de toute façon. C'est sûr que Kabam, ils font que ça. Oui, bien joué. Super. Ok, j'en ai ouvert 8, du coup. Donc 18 en tout. J'en ai ouvert 18. Ben, c'est normal, hein, 18. 6 fois 3. Il y a 6 classes, j'en ai eu 3. Voilà, normal. Donc voilà, les 27 autres, là je les stocke. Pour l'instant, ils ne seront pas réutilisés. Hein. Ils seront pas réutilisés. Je vais juste regarder ce que j'ai donc dans mon stock. Parce que du coup, j'en ai utilisé pas mal. Concrètement. Enfin, j'en ai eu pas mal. Donc c'est possible que j'en ai dans la réserve. Ok, mystique, j'en ai dans la réserve. Tech, c'est bon. Tech, il n'y a aucun problème. Mutant et mystique. On va regarder du coup. Ah, et mutant, j'en ai quand même deux. Hein. Mystique. Mystique, j'en ai deux. Je pourrais monter Iron Fist, il n'y a aucun problème. Et 29 jours, ça me laisse le temps d'ouvrir 2, 3 cristaux 4, 5 étoiles. Peut-être d'avoir un Ghost Rider ou un truc, un Dormammu, un The Hood, un truc comme ça, quoi. Et tech, de toute façon, ça sera utilisé. J'en ai deux, mais tech, ça sera utilisé. Je vais en utiliser 9, comme je vous ai dit. Hein. Ok, on est bon. Du coup, on va retourner le monter. Et cette fois, on va le monter 5R4. C'est quand même ce qui nous intéresse à la base. Le petit Ultra Nirok qui monte 5R4. Donc voilà, de nouveau, j'ai plus de T2A dans la réserve. C'est bien. Très heureux.
Alors par contre, je vais bousiller mon ISO. Je bousille mon ISO, c'est fou. Je suis en train complètement... Oh merde. Problème de connexion toujours. C'est chiant. Ça et comme d'habitude, tout sauf... Bah, de toute façon, science, ça change rien. Ouais, ça va. J'en ai encore pas mal. J'en ai encore pas mal. Bah, de toute façon, ça... Il y a 25 jours. C'est peut-être d'hier. Hein. Non, 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 d'hier, ça serait 29. Donc non, c'est pas d'hier. Donc j'ai encore de l'ISO derrière pour hier. Donc c'est bien. Enfin, j'ai beaucoup de mystique. Hein. C'est dingue. Est-ce qu'il va passer dans mon profil? C'est ça aussi le gros la grosse interrogation. À 8000 quand même. Attendez. Je vais juste regarder. Il lui manque deux niveaux. Non. Ah bah il est déjà dans mon profil. Okay. Il est déjà dans mon profil. Par contre, il n'est pas éveillé. C'est toujours le même problème. Hein. Il n'est pas éveillé. On va prendre ça du coup. On va finir avec ça. Et voilà, Ulcranirox 5 étoiles R4. Donc 8153. Et du coup, il est juste derrière Gwenpool. Ok, très bien. Très très bien, bah, je vais m'amuser avec. Hein. Donc je vous le montrerai donc, dans une vidéo de présentation qui va arriver dans les deux prochains jours. Voilà, dans les deux prochains jours, ça va arriver, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura également pas mal de vidéos de up. Enfin, il y en aura une, en fait, où je vais monter tout le reste. C'est-à-dire, je vais monter, enfin, tout le reste. Peut-être pas tout le reste, du coup, parce que j'ai plus que 10 catalyseurs alpha. Mais je vais essayer d'en choper, là, dans les jours qui arrivent. Histoire de... Vraiment, histoire de... En gros, pour que le prochain gain de niveau... En gros, je vous ferai un prochain gain de niveau avec la montée, sûrement, de Angela. Et je vous montrerai sûrement Angela en rang 4 directement. Directement rang 4. Parce que là, j'ai encore 10 catalyseurs, 10 catalyseurs alpha. Et je vais très certainement la monter 5 étoiles R4. Donc voilà, je vous l'annonce. Hein. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter. Et sur ce, je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous et on se retrouve rapidement pour la vidéo de présentation, d'autres vidéos d'opening et d'autres vidéos de up. Allez, salut, à la prochaine!